この夢久しぶりだな。ここのガラクタを取りに来て、そして沈むんだ、土の中に。今のは何か夢を見たような。フィオルンは？あれは？Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 34 de notre aventure sur Xenoblade Chronicles. Épisode qui va à mon avis avoir beaucoup de révélations puisque je vous rappelle qu'on s'était laissé suite à l'explosion de la citadelle de Galad, je crois. Et on avait chuté dans le vide comme un gros rocher, donc je suis que c'était jeté à la suite de Fiora. Et ça doit être donc son méconce. On va essayer de voir un petit peu si elle est toujours à l'intérieur ou pas.息はある。フィオルン。どこかに水は。De l'eau, donc bon, je sens que ça va se terminer en survie toute cette histoire. Extirper Fiora du faciès argenté, trouver un moyen de l'aider. Alors déjà, où est-ce qu'on se trouve exactement? C'est quoi cette histoire là? Parce qu'on a fait une chute incroyable. Regardez où est-ce qu'on se trouve en fait. Vous voyez l'épée au-dessus? Donc c'est là où on se trouvait auparavant, donc on a fait une chute de quelques milliers de kilomètres et on a atterri tout simplement au pied des géants. On a atterri au pied des géants au niveau de cet océan qui semble infini entre ces deux géants justement qui se livraient une bataille titanesque. Alors je suis étonné qu'on puisse trouver des choses justement au pied de ces géants. Visiblement il y a même quelque chose là-bas, de l'eau. Oui, de l'eau, regardez, c'est ça, de l'eau. Donc c'est pile ce qu'on cherchait. De l'eau potable. フィオルン、気がついた。その僕はシュル。こんなとこで最初のキスか。覚えてたの？フィオルン。もちろん
私ね、シュルクのこともみんなのことも忘れてなんかいなかったんだよ。え、じゃあみんなに声かけたくてもできなかったの。私、私じゃなくなってたから。どういうこと？あの時コロニーナインで鬼神兵に襲われた時、私確かに一度死んだと思ったの。だって鬼神兵の鉄の爪や牙に引き裂かれたんだから。途中から何も覚えてなくて、音も光も痛みもなくなって、次に気がついた時私の体はこんな機械にされてた。ううん、それだけじゃない、私の中に知らない誰かがいたの。もう一人の君って、じゃあ今まであの鬼神兵を操っていたのは。うん、知らない誰かさ。でもね、ずっと私も見たり聞いたりしてたんだよ、この体を通して。だけど自分で思ったように体を動かしたり喋ったりすることはできなかった。そうか、だから僕たちのことを知らないみたいに。うん、心では必死に呼びかけてたんだけどね、伝わらないよねそんなの。そんなことないよ、信じていたからさ。いいのよ、無理しなくても。逆だったら私だって分かんないもん。だけど君の中に入ってたのって一体誰なの？分からない。人と話してる声は聞こえたけど、考えてることは分からないし、でも何かやらなきゃならないことがあって必死に頑張ってた、それだけは伝わってきたんだ。今はどうなってるの？眠ってるのか。そうでなかったらさっきまでの私みたいに話すこともできず困っているのかも。困って当然だよな、そんなやつ。フィオルンの体を乗っ取って好き勝手なことしてたなんて。うん、そうだけど、このまま消えてくれればいいけど。ねえスルク、あんまりその人のこと責めないであげて。どうして？あの人は私の体を使って何かをしようとしていた、きっと大切なこと。なんだかわからないけど私、力を貸してあげたいの。なんでそんなこと？自分の体を使われてたと言ってもそんなに嫌じゃなかったんだよね。あの人すごく優しくて、私の体に気を使ってくれてるの伝わってきたから。そうなんだ。うん、それにあの人は一生懸命にシルクを守ろうとしてくれたから。そうか、あの時あの人は私がしたかったことを代わりにやってくれたの。だから私もできることなら手助けしたい。そっか、その人がしたかったこと何なのか分かるといいね。うん、ありがとうシルク。おかえりフィオルン。
Tada ima. Dou suru no, kore kara? Minna o sagasanakucha. Kitto ikiteru. Sonna ki ga suru nda. Fiorun ga kaette kita no shittara, minna bikkuri suru yo. Minna. Rain mo Danban san mo. Sore ni atarashiku shiri atta nakama mo iru nda. Karuna, Riki, Meria. Ii hito tachi bakari da yo. Shiruku mo iroiro atta nda ne. Demo kore kara wa zutto issho da. Sa, shuppatsu shiyou. Alors, les membres du groupe ont été séparés. Shulk et Fiora se retrouvent seuls sur une plage. Leurs compagnons ne peuvent pas être bien loin. Ouais, alors bon, ils sont plutôt optimistes, hein, parce que... aux dernières nouvelles, on est les seuls à être tombés. Donc, bon bah, soit ils sont tombés aussi, et en effet, ils sont pas bien loin, soit ils sont encore là-haut, et là, j'ai envie de vous dire... on va avoir du mal à remonter, hein, à moins qu'il y ait une grande échelle le long d'un titan. Ça me semble un peu compliqué. Donc, ce que je vous propose... on va se balader un petit peu, on va profiter de cette belle plage qui me fait un petit peu penser finalement à très vaguement, hein, vraiment très vaguement, à l'île du destin dans Kingdom Hearts. Une grande plage comme ça avec un océan infini et quelques petits palmiers. On est posé ici, je pense que c'est le mot, on est posé, c'est plutôt calme, c'est plutôt une belle zone. Il n'y a absolument rien de ce côté. Ah, là-bas par contre, c'est différent. Alors la question étant, qu'est-ce que c'est que ce machin exactement? Pourquoi est-ce qu'il y a une structure ici? S'il y a une structure ici, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont habité dans le coin, ou alors que c'est encore une partie des titans. Là-bas, j'ai vu quelque chose. Et est-ce que je peux, par hasard, actionner mon tout premier lien d'amitié, là? Enfin, le plus grand des hasards. Ah, pas disponible. Ok, bon. Est-ce qu'un jour, je vais réussir à actionner un lien d'amitié? Je ne sais pas. Visiblement, par contre, du coup, elle nous a rejoint dans l'équipe, la Fiora, donc ça fait quoi? Ça fait un nouveau personnage, c'est ça? Ouais, ouais, c'est un nouveau personnage. De type plutôt... bah, je sais pas du tout. À mon avis, c'est pas un tank. Éther et attaque. Ouh, attends, c'est plutôt bon, ça. Ça fait quoi, exactement, ça? Pourquoi je ne peux pas voir? Bon, c'est pas grave. Anti-handicap... J'aime beaucoup son armure, j'aime beaucoup le style de son armure. Bah écoutez, si elle est plutôt de type attaque, je vous propose de lui mettre un petit peu de force. Mais c'est vrai que ses dégâts sont pas incroyables, hein, quand on compare avec ceux de Shulk. On va lui mettre une tension initiale, allez, on lui met vraiment des trucs un peu au hasard. Ah, vous me direz... Oh non, ça reste inférieur. Et qu'est-ce qu'elle a comme compétence? On va aller voir ça aussi. Alors, madame... Madame, qui n'a absolument pas de points pour mettre ses... pour monter ses compétences. Alors, on a beaucoup, les compétences. Et bah, dis donc. Ouais. Frappe l'ennemi dans le dos, lui inflige d'importants dégâts. Annule les handicaps et crée une aura de régénération. Inflige d'importants dégâts aux ennemis qui ont chuté. Un coup de pied qui hébète l'ennemi. Si à terre, hébète. Donc ça, c'est l'équivalent de ce qu'on a avec Shulk. Déploie un champ de force qui paralyse les ennemis, donc ça c'est bidon, on va vite le changer. Ok, ça augmente les dégâts sur un seul ennemi. Drainage des terres, déploie un champ de force qui absorbe les terres. Bon. Les deux lames se rejoignent et attaquent les ennemis de front, ça c'est cool. Libère une puissante vague des terres qui hébète les mécons, ça c'est cool aussi. Frappe l'ennemi et l'endort. Ah ouais. Ça peut couper une attaque. Déséquilibre l'ennemi et tend tous les muscles du corps, ce qui renforce les arts physiques. Durée de l'effet 5 secondes. Ah oui, ouais, c'est pas grand chose. Donc ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est ça là. Ça qu'on va mettre là. Ça qu'on va mettre là. Et gravité 0, on va en mettre... On va mettre un petit extinction à la place. Et peut-être que je pourrais mettre plutôt... J'hésite entre garder l'aura de soin, là, barrière de soin. En barrière de soin, ça peut être cool, quand même.
Je pense que d'ailleurs on va monter ça pour l'instant. C'est toujours utile d'avoir un petit personnage comme ça qui a un peu de... Un peu de soin de côté, même si c'est pas énorme. Et juste, j'aimerais savoir un peu en quoi consiste sa super compétence de la mort qui tue 7000 points de dégâts. Les ailerons se changent en canon et tirent un puissant rayon. Jauge spécial max, obligation. Ok, obligatoire, excusez-moi. Très bien, bah ma foi, on va se tenter un petit combat sur ce pauvre crabe qui se balade dans le coin là. Aucune pitié, il a strictement rien demandé ce crabe. Ah oui, alors, musique épique là, attention, c'est le combat le plus épique de tous les temps contre un crabe. Oh là là, cette musique de fou. Waouh, j'ai l'impression de jouer ma vie là, ouais, super, niveau super. Ok, c'était le combat le plus épique de tous les temps. Non pas pour notre prestation de jeu, mais pour la musique qui a eu lieu pendant le combat. Jifume. Place de Jifume. Non, plage de Jifume. Mais attendez. Ce n'est pas une plage non-fumeur? Mais qu'est-ce que c'est que cette plage? Hop. Voilà, c'était le jeu de mots le plus nul de tous les temps. Merci, bonsoir. On va continuer de ramasser des petits pingouins. Et on va monter en haut de la plage en prenant le petit chemin. Grosse mangue. Papaye épicée. Et c'est que ça me donnerait faim tout ça. Encore une mangue. Encore des crabes dans tous les sens. Ah, un oiseau. Bon, on va tuer l'oiseau. Mort à l'oiseau. Un flammy cucu. Oh. Ok. Et du coup alors elle a rien pour les faire chuter. On a absolument rien pour faire chuter les ennemis. Oh ouais, il m'a fait quand même mal le petit oiseau là. 1000 points d'expérience. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah ouais non, il y en avait 25 000 là des oiseaux. Le gang des oiseaux, on va vite s'écarter. Et du coup, maintenant qu'on a tout ramassé, on va monter. Tiens, je vais regarder un petit quelque chose. Oh non, il y a encore des trucs là-bas. Bon, je vais les ramasser aussi. Objet. Encyclopédie. Tac. Alors. La musique est très très calme dans cette zone-là. Là. Oh non, j'ai raté un objet dans la forteresse. Éther 3, c'est cool ça. Agilité moins, c'est nul. Et là, j'ai raté un objet. Et dans la veille de l'épée, j'ai raté deux objets. Et dans le massif de Valak, j'ai raté deux objets. En fait, à chaque fois, il me manque quasiment rien, mais je sais jamais où les trouver, ces petits objets. À savoir qu'ils ne sont pas non plus... c'est pas du total hasard, c'est en fonction de la zone dans laquelle on se trouve, en fait, qu'on ramasse tel ou tel type d'objet. Donc ça voudrait souvent dire que j'ai peut-être raté une zone, en fait, à chaque fois. Si je raisonne bien. D'ailleurs, le massif de Valak, en y parlant, j'avais lu vos commentaires à propos de ça. Il est en effet possible d'atteindre la fameuse zone avec un grand toboggan. Alors là, ça va seulement parler aux gens qui connaissent le jeu. Il y a une zone avec un grand toboggan, en fait. Il faut sauter au bon moment pour arriver de l'autre côté. Et j'ai totalement abandonné, puisqu'après avoir essayé une vingtaine de fois, je n'ai jamais réussi. Pourquoi tu es là, Carla? Non, tu n'es pas là. Pourquoi tu es dans ma vision? Pas possible, ça. Hop. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, et donc j'ai jamais réussi. On va monter par là. Sauf que, en fait, il faudrait que j'augmente ma vitesse, d'après vos commentaires, pour réussir à faire un grand saut en longueur depuis ce toboggan et atteindre justement la seule zone. Je vais vous montrer où c'est, au moins ça vous parlera peut-être un peu mieux. Pour ceux qui peut-être ne savent pas de quoi je parle, je vais vous montrer un petit peu où c'est. Voilà, c'est ici. Donc là, vous avez du vide là. En fait, c'est tout simplement un saut. Il y a un grand toboggan là et on saute au-dessus de l'eau. Et le but c'est de s'accrocher à une espèce de paroi. Donc bon, j'ai jamais réussi du coup. Mais c'est voilà, c'est pas bête l'astuce qu'on m'a donnée. On m'a proposé de mettre des gemmes de déplacement pour aller plus vite. Et du coup, mieux réussir le saut depuis le toboggan. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut faire en effet. Alors je ne sais plus du tout pourquoi j'ai dérivé là-dessus, mais si voilà, parce que c'est une zone notamment du coup que je n'ai pas pu explorer, malgré le fait que j'ai fouillé un petit peu partout dans le massif de Valak. Suruko. Fiorun. Dostano. Gomen. Skoshi karada no balance ga okashi mitai. ちょっと休めばよくなるから、ごめんね。
いいんだ。わかった。ここで少し休んでいこう。みんなはあの後、どうしたんだろう。要塞があんなことになって。モナドの光がかなり不安定だ。やっぱりあの鬼神兵のせいなのか。それでも僕がフィオルンを守らないと。シルク、眠らないの？ごめん、起こしちゃった。ううん、大丈夫。たっぷり休ませてもらっちゃった。何か食べる？お腹空いたでしょ。それよりお水欲しいな。ああ、食欲なくても食べた方がいいよ。早く体力つけなきゃ。ううん、平気。こんな体だけど便利なんだよ。お腹空かないの。水だけ飲んでればずっと動けるみたい。嫌なこともあったけど、ちょっとだけ得した気分かな。ねえシルク、置いてってもいいよ。なんで？だって私こんなだし、もう鬼神界の体だから、こっちの世界でもうまくやっていけるよ。そんなことできないよ。シルクの知ってる私はあの時死んだの。そう思えば。そんなこと思えないよ。だってフィオルンはここにいるんだ。あの時コロニー9でフィオルンが死んだと思った時、悲しかった、悔しかったよ。自分にもっと力があれば、そう思った。シルク、もう後悔はしたくない。僕が君を守るんだ。それに君の中で眠ってる人のこと放っておけないだろう。うん、そうだね。鬼神兵、こんな時に。シルク、私も。フィオルン、くそ、こんな時モナドが万全なら。モナドは意志の力。こんなところで、ここでやられてたまるか。今度こそフィオルンを守るんだ。これはモナドの光がいけるぞ。C'est pas trois pauvres petits ennemis qui vont me faire peur. Ça, c'est moi qui vous le dis. Allez, bim. Un en moins. Deux en moins. On va se faire le dernier en 30 secondes, c'est moi qui vous le dis. Regardez-moi ça, on va lui exploser la figure. Ils ont vraiment pas beaucoup de vie. En fait, ils ont absolument pas beaucoup de vie. C'était facile. Monado, nantoka daseta. けど、こんなに疲れるなんて、やっぱりあの鬼神兵の影響か。あ、なんだこの音。くそ、囲まれた。
やっと目覚め? カルナ? あの後、どうなったんだ? わからない。私も気がついたばかりで。 みんなは? 探したんだけど、近くにはいなかった。 そうか。 ライン、ありがとう。 え? あの時、かばってくれて。 ああ、よかったよ。あんただけでも守れて。ライン、どうしたの? 俺、情けないよな。昔フィオルに約束したんだ。シュルクに怪我はさせないって。なのに、あんたをかばったシュルクが怪我をしたことを気にしてるの? 昔はさ、シュルクのやつ本当にひ弱でさ、いつも俺が助けてやってたんだ。 だから調子に乗ってフィオルにも約束して。でももうそんな必要ないんだな。ライン、あいつ強くなったよ。モナドを手に入れたからってだけじゃなくてさ、もうシュルクには俺の手助けなんて必要ないのかもな。あんたらしくないよ。 コロニー6を覚えてる? あそこは私たちのコロニーはね、昔からよく鬼神兵に狙われてたんだ。今にして思えば地下のエーテルが目当てだったんだろうけど。そうだな。あそこでエネルギーを補充すればずいぶん遠くまで行けるんだろうし。だからコロニー6の防衛隊員たちはいつも傷ついてた。体だけじゃないよ、心も。 昨日は生きてた友達や仲間が今日はいない。そんなのが当たり前だった。もう戦ってもしょうがない。自分なんかに何もできるはずがない。そんな気分になりかけるやつもたくさんいた。でもならなかった。どうしてだと思う? 強かったからか? 強くなるしかなかったのよ。 みんな守るべきものがあったから。 下を向いてるうちに大切なものが壊される。 だったら目を背けたくても前を見るしかないんだって。 耳が痛いな。 らしくなかったかな、俺。 ラインは悩んだりしても様にならないって。 だな。 足元見るのは年取って腰が曲がってからでいい。 それで、どうするの? 探しに行くさ、シュルクやフィオルンを。 足でまといだとしたって荷物持ちくらいできるしな。 そうそう、その方があんたらしいよ。 あのさ、ガドって人のことなのか? さっきの話。 ガドだけのことってわけじゃないけど。 なんで? いや、 負けたくないなって思ってさ、そいつには。<笑>ない。シュルクたち無事かしら？当たり前だろ。あいつらが死ぬわけなんてないんだ。<笑>調子出てきたじゃない。じゃあ探しに行かなくちゃね。 Et donc c'est reparti pour un autre duo, donc j'aime beaucoup comment l'action se déroule en ce moment là, c'est vrai que c'est parfait, ça tombait bien, moi qui avais besoin justement de me refaire un petit point un petit peu sur les compétences de chacun, bah là c'est parfait, on va pouvoir un petit peu voir ce que vaut chaque duo, a priori le dernier sera donc celui de Fiora et Dunban, ça semblerait logique. Ou alors ils vont se retrouver tout seuls, hein. Ça aussi c'est tout à fait possible, après tout on a déjà joué Fiora toute seule. Fiora, Melia, excusez-moi, je raconte n'importe quoi, Melia. On va grimper là-haut. Donc on va plutôt garder le contrôle de Rain justement, elle s'est téléportée à côté de nous. Puisque soigner c'est pas... c'est un rôle comme un autre, j'ai envie de vous dire, mais... C'est pas le rôle le plus intéressant à jouer, donc on va plutôt jouer le rôle du tank, on va voir un petit peu ce qu'il vaut d'ailleurs comme tank.
Et j'espère qu'il y aura un petit peu de combat, parce que sinon je serais un poil déçu. Ça serait bien qu'ils me mettent des crabes ou n'importe quoi, là, histoire qu'on voit ça un peu. Alors je sais que de toute manière, je peux tout à fait, même quand mon équipe est au complet, changer de personnage, incarner un autre personnage, et bah, c'est peut-être ce qu'il faudrait que je fasse. Mais je me suis tellement attaché à Shulk que j'ai du mal à changer de personnage comme ça. Voilà, donc là par exemple je suis au contrôle de Rain, donc bon, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va être particulier, donc on va essayer de reprendre l'aggro d'un peu tout le monde déjà. Gardez rien. Ah ouais, garde, ok, donc ça. Je peux plus rien faire quand il active, d'accord, donc on encaisse quand on fait ça. Voilà, ça j'augmente l'hostilité, donc on va passer à l'autre là. Ah, pourquoi je suis bête. Bon, j'ai très mal joué mon rôle de tank. Bon, il y en a un des deux que j'ai réussi à tanker, mais alors l'autre. Ouais, fallait que j'utilise plus ma compétence du centre que celle-ci en fait. Voilà. よく生きてたな。結構渋いやつだぜ。ラインこそ。ライン。ラインなのね。フィオル。思い出したのか。うん。いろいろあってね。 そうか。 早くダンバンさんにも会いたいよね。ああ、大泣きしたりしてな。<笑>シルクやラインが見てる前じゃ泣かないと思うけど。泣くの？見てないとこでは？そうだよ。昔からそうなの。涙もろいくせに見られるのは大っ嫌い。知らなかった。想像つかねえよ。 無理しないで。大丈夫。お兄ちゃんに早く会いたいし、行こう、シルク。歩けなくなったら俺が担いでやるさ。重くなったよ、私。筋肉ついたぜ、俺。本当だ、ライン。あれからずっとシルクを守ってくれてたんだね。どっちかっつうと。 俺の方が守られてた感じだったけどな。そんなことないよ。いいんだぜ、気を使ってくれなくても。俺は俺で見つけたからな、自分のやること。それって何？さっきやってたことさ。シルクがいくら強くなったって後ろに目玉がついてるわけじゃない。だったら俺が背中を守る。ライン、なんだかライン知らない人みたい。なんだよそれ。 頼もしくなったって褒めてるのよ。そんなに頼りなかったのかよ、昔の俺。そう、後ろ向きに取らない。チッ、叶わねえな。やっぱりフィオルンだ。<笑>さあ、行きましょう。お兄ちゃんが泣くとこ見たいんでしょ。ああ、そうだな。 Bon, bah tout le monde est de bonne humeur et ça c'est plutôt cool. Et ce que je vous propose c'est de nous laisser. Je suis diabolique, non mais il faut bien s'arrêter au bout d'un moment. Là on a quand même eu pas mal de petites révélations très plaisantes. Comme ce bruit de mouette qu'on entend, je ne sais pas où sont les mouettes. Pourquoi est-ce qu'on entend des mouettes? Je ne sais pas. Mais on entend des mouettes. Et malheureusement on n'y peut rien. Bon, donc voilà, on va se laisser ici. Oula, il y a du monde au fond du couloir, on va pas y aller tout de suite. Donc j'espère que ce petit épisode vous aura plu, on aura très 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 peu joué finalement. C'est quoi ce bruit? C'est ok, il queen, quand il saute il queen. J'avais même pas tilté d'ailleurs, j'étais encore au contrôle
de Rain. Bah vous savez quoi, on va continuer de jouer un petit peu avec Rain, histoire de le cerner un petit peu. Là par exemple, parce que je me suis rendu compte que finalement, l'intelligence artificielle doit avoir beaucoup de mal à jouer avec la compétence garde, défense optimisée. Parce que bah, lorsqu'elle active ceci, il ne peut plus rien faire, tout simplement, il ne peut plus rien faire. Et je pense que l'IA, c'est pas forcément la meilleure chose à faire pour ça. Améliore l'attaque au détriment de la défense. Coup de bouclier qui ébête l'ennemi. Si à terre est bête. Non, je pense qu'il faudrait plutôt lui mettre un truc de type plutôt attaque. Dégâts de l'art suivant. Plutôt que garde finalement. Déjà qu'il encaisse bien. Il encaisse très bien en fait, donc on n'a pas besoin de lui mettre ça. Réduit l'agilité. Coup de pied paralysant. Attaque paralyse. Ça peut être pas mal. Explosion d'orage, je sais pas non plus si ça peut être bien. Chaîne d'amarrage. Par projection et repoussement augmente l'hostilité ennemie. Dégâts ne font pas baisser l'hostilité. Ça c'est plutôt cool. Bah vous savez quoi, par exemple on va mettre ça à la place. Génial, c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai perdu une compétence, je ne sais pas laquelle c'est. C'était celle-ci. Voilà. Bon, déjà c'est un petit peu mieux. Après, au niveau des arts améliorés, encore une fois, je vous ai posé la question il y a quelques épisodes, j'ai pas encore forcément bien regardé. Mais après tout, hein, il faut pas que tout dépende de vous, à moi aussi de me renseigner un petit peu. Du coup, je regarderai ça, donc on se laisse ici. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très rapidement pour la suite de notre aventure. Allez, ciao tout le monde.